Après la mort de la reine Elisabeth II d'Angleterre, son fils aîné devient le roi Charles III. L'ordre de succession de la lignée royale monte d'un rang. Désormais, la fille aînée du prince Andrew, la princesse Béatrice, pourra jouer un rôle de premier auprès du roi Charles III. La reine Elisabeth II d'Angleterre est morte le 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans. Le samedi 10 septembre, son fils aîné le prince Charles, 73 ans, est proclamé officiellement roi. Le nouveau roi d'Angleterre s'appelle désormais Charles III. Les ducs et duchesses de Cambridge, le prince William et Kate Middleton, quant à eux, deviennent les nouveaux princes et princesses de Galles. Le prince William, 40 ans, devient officiellement l'héritier direct au trône. Tout le monde monte ainsi d'un rang dans l'ordre de succession au trône. La princesse Béatrice d'York, fille aînée du prince Andrew dépouillée de ses fonctions et de la plupart de ses titres, monte également de rang. Désormais, la princesse Béatrice d'York est 9e dans l'ordre de succession au trône, rappelle le Daily Mail. La nièce du roi Charles III pourrait très bien tenir un rôle de premier ordre à ses côtés maintenant qu'elle est conseillère d'État. En effet, d'après la loi, la fille aînée du prince Andrew d'York, 34 ans, peut remplacer le roi Charles III, 73 ans en cas de besoin. La princesse Béatrice peut assumer les fonctions officielles du roi Charles III si celui-ci est malade ou à l'étranger, rapporte le Time. Princesse Béatrice d'York, 4e personne pouvant remplacer Charles III d'après la loi, la reine consort Camilla Parker Bowles, épouse du roi Charles III, 75 ans, peut assumer les fonctions officielles de son mari. Après l'épouse du roi, les 4 premières personnes de l'ordre de succession âgées de plus de 21 ans peuvent également prendre la place du roi si celui-ci est malade ou à l'étranger. Le prince William, le duc de Sussex et le duc d'York ainsi que la princesse Béatrice sont ces 4 personnes. Le fait est que le prince George, la princesse Charlotte, le prince Louis, Archie et Lilibet ont tout moins de 21 ans.